Bon, si tellement mon appel demande pour me parler de moi étage que là, je préfère tout faire en vidéo que m'appeler et taper réponse ba moun. Premièrement, il y a des définitions qui fait en personne yon moun créole. Un, c'est un descendant européen qui était fait en dehors Europe. Pour exemple, yon américain blanc zodiant qui c'est un descendant anglaise, yon c'est un créole par définition. Ou soit, leur définition, c'est une personne qui sont citoyens européens qui fait dans un territoire européen. Pour exemple, yon un citoyen français qui était fait Martinique, yon c'est un créole. Haïtien pas tombé en bas n'importe dans des définitions ça yo. Haïtien que pour pays pa yo, nous c'est un peuple indépendant. Et puis majorité haïtien c'est moun nou atan kom, africain. Nous pas descendant européen. Et puis konnen gen moun kounya y a dit oh tigre ou konnen haïtien pas moun créole mais yo parle créole haïtien. Malandrin. Sans avec c'est bouche à terre parce que à la moment langue haïtien gen syntaxe pa li, gen gramme pa li, gen prononciation pa li, gen sonance pa li, gen orthographe pa li. Il y a un instructif qui parle. Il y a plusieurs choses qui font la part des langues françaises. Qui fait qu'on y a linguiste dit langue haïtienne, c'est propre langue parlée qui a campé pour côté. Même si on t'a dit, moun la France parle français, même si on t'a dit, moun Wolof parle Wolof, moun Zulu parle Sizulu, ou t'a dit, moun Chinois parle Chinois, moun Japon parle Japonais, c'est même si on t'a dit, haïtien parle langue haïtienne.